Au primaire, pour m'insulter, on me disait d'enlever mon masque, que l'Halloween était déjà passé. Mais en réalité, l'Halloween, c'est 365 jours par année. On se maquille, on se parfume. Notre culture est officiellement devenue un continuel concours du plus beau costume. Il paraît même qu'aujourd'hui, faut être faux pour sembler vrai. Dans un monde où que chacun de tes choix sont critiqués et partagés sur le net, il y a juste les fous et les menteurs qui prétendent rester vrais. Alors j'ai joué le jeu. Je me suis déguisé en super-héros avec des muscles rembourrés, en mur des lamentations fait en papier mâché et en iPhone parce que je voulais qu'au moins une personne m'utilise. Je suis devenu accro. Car j'en suis un dans l'âme. Et un accro reste un accro. Il change juste de cam. J'ai troqué les filtres à café pour les filtres Instagram. C'est surprenant à quel point qu'un masque de 100 grammes peut te donner l'impression de t'enlever une tonne sur les épaules. À chaque nouveau jour, un nouveau costume, un nouveau masque. J'ai porté le masque fait de verre, de l'ado fier cachant sa jalousie envers ses amis qui fêtent encore Noël avec leur mère. J'ai porté le masque du garçon qui a les yeux rouges parce qu'il vient de fumer. Surtout pas de pleurer. Vaut mieux passer pour un bum que pour un faible. Il m'aura fallu porter plus de 99 masques pour réaliser que je suis sans visage. Celui dont je suis le plus fier, c'est mon déguisement de caméléon. Il s'adapte selon les gens et les situations. Il sourit quand t'as besoin d'un sourire. Il joue au con quand t'as besoin de rire. Il s'adoucit quand t'as besoin de réconfort. Il s'agrandit quand t'as besoin d'un fort. Je le porte pour me protéger des monstres. Pas ceux qui se cachent en dessous de ton lit, non. Ceux qui s'assoient à côté de toi dans le bus. Ceux qui portent tellement de masques qu'on dirait des poupées russes. Que ce soit les zombies, accro à leur téléphone et aux selfies. Le regard vide hurlant, je suis en train de passer à côté de la vie. Ou bien les douchebags, qui portent le même costume que toi, mais le modèle V-neck, trois tailles au-dessus. Faut dire que j'ai porté un masque tellement longtemps que si je l'enlevais ce soir, j'aurais peur de pas reconnaître ce qu'il y a en dessous. Heureusement, peu importe l'épaisseur du masque, si vous faites l'effort de bien regarder, vous pouvez voir mes vrais yeux à travers des trous. Mais rappelez-vous, s'ils sont rouges, c'est parce que je viens de fumer. Surtout pas de pleurer.